Le Barça ne produit plus de jeunes talents. La Masia, c'est de l'histoire ancienne. Les Busquets, les Pedro, les Xavi, c'était juste de la chance. Si tu faisais partie des personnes qui pensaient ça par le passé, prends des chips et installe-toi confortablement dans ton canapé. On va rétablir quelques mensonges qu'on entend par-ci par-là. La Masia est loin d'être morte, elle est juste mal utilisée par une direction de clown ainsi qu'une planification sportive ridicule. De ce fait, nous allons parler aujourd'hui de 10 jeunes joueurs de la Masia à suivre absolument pour les prochaines années, voire pour les 5 prochaines années, parce qu'on ne sera pas des joueurs qui exploseront dès la saison prochaine par exemple, à l'exception de 2 d'entre eux peut-être, à voir. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas de Riqui Puig ni de Ansu Fati, parce que j'estime qu'ils sont déjà très connus, ils ne sont plus à la Masia, ils ont franchi une étape. Nous ne parlerons pas non plus des joueurs du Barça B. Pourquoi? Parce que le Barça B n'est plus considéré comme la Masia. Certes, il comporte des joueurs formés à la Masia, mais le Barça B est considéré comme une équipe senior. De ce fait, nous ne parlerons pas de Manchu, capitaine de ce Barça B, leader dans l'âme, très bon jeune joueur, qui risque d'ailleurs de partir en prêt, ou même être vendu, parce que je ne le vois pas retourner jouer en 3ème division, alors qu'il a la capacité de jouer en 1ère division. Nous ne parlerons pas non plus de Dani Morer, un jeune joueur très intéressant, qui a été replacé en tant que latéral droit, qui apporte énormément dans ce Barça B, ni de Alex Colliado, j'avais fait une vidéo pour vous parler des jeunes à suivre pour la saison prochaine, ou alors de Jandro Orellana. Nous allons donc nous concentrer sur les catégories inférieures du club, les joueurs les plus prometteurs du centre de formation, même si dans cette liste, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura 2 joueurs qui sont en transition entre la B et les catégories inférieures. C'est parti avec le premier joueur. Conrad de la Fuente, né le 16 juillet 2001, il vient tout juste d'avoir ses 19 ans. Il est né à Miami, en Floride, aux États-Unis. Et d'ailleurs, Conrad est le seul représentant des US à la Masia. D'origine haïtienne-américaine, Conrad, ce n'est pas le joueur le plus talentueux de la Masia, mais moi, c'est l'un de mes préférés. C'est un joueur qui a du feu dans les jambes, un pur ailier formé à la Masia. Il va super vite. Aime provoquer les adversaires en 1 contre 1. Il est très explosif et imprévisible. Il a même joué sur le côté droit quelques fois. Et je vous parlais tout à l'heure des joueurs qui étaient en transition pour rentrer dans ce top. Il en fait partie parce qu'il a joué d'ailleurs les playoffs avec le Barça B ces dernières semaines, parce que le Barça B était amputé de pas mal de joueurs importants. Donc à voir s'il restera avec le Barça B ou pas, mais il est très prometteur, à surveiller de près. Nous enchaînons avec le 2ème joueur de cette liste. Alejandro Balde Martinez, né le 18 mars 2003, que 17 ans, d'une mère dominicaine, d'un père originaire de la Guinée-Bissau comme Ansu Fati. Alejandro est l'un des joueurs les plus prometteurs de la Masia et joue au poste de latéral gauche. Il a tout ce qu'on demande d'un latéral moderne. Il est extrêmement rapide, c'est une flèche d'ailleurs. Pour la petite anecdote, sachez qu'à ses débuts, ses parents et même son coach d'enfance voulaient qu'il fasse de l'athlétisme parce qu'il allait tellement vite que parfois on laissait de l'avance aux autres jeunes et il finissait malgré tout par les rattraper. Terminé premier des courses, donc c'est un jeune joueur à surveiller. Il n'est pas encore complet, c'est tout à fait normal à cet âge. Il doit encore s'améliorer au niveau de son placement défensif ainsi que sur son marquage, qu'il compense par sa vitesse des retours salvateurs. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'il s'améliore et ne pas toujours compter sur sa vitesse, parce qu'au plus haut niveau, il aura besoin de développer toutes ses autres qualités. On passe désormais au 3ème joueur de cette liste. Né le 30 mai 2001, 19 ans, Arnaud Tenas est le gardien le plus prometteur de sa génération. Il a une personnalité forte et a une assurance qu'il dégage devant sa ligne, des réflexes de cyborg déjà à son âge, mais surtout un jeu de pied impeccable, condition sine qua non pour s'imposer au Barça en tant que gardien. Son seul défaut à lui, d'ailleurs, c'est un thème qui revient assez souvent lorsqu'on parle des gardiens au Barça, ce sont ses sorties aériennes, mais je pense qu'avec du temps, il peut évoluer et gommer ce défaut. Après, il a un autre problème, et celui-ci ne dépend pas de lui et il est surtout très gros. Il s'agit de Marc-André Ter Stegen et de Iñaki Peña, c'est-à-dire 2 cyborgs qui sont devant lui au Barça B et en équipe première, qui sont jeunes et ont surtout de belles années devant eux s'ils continuent sur cette lancée. Donc à voir comment cela va impacter Arnaud Tenas, mais c'est un super gardien à surveiller de très près. En avance avec le 4ème joueur. Ilaix Moriba, Moriba Kuruma, 17 ans lui aussi, originaire de la Guinée. J'ai déjà parlé de Ilaix Moriba dans une vidéo précédente, je vous mets le lien en description en haut. Je vous invite à aller la regarder parce qu'on va pas trop s'attarder sur Ilaix dans cette vidéo. Tout ce que vous devez savoir, c'est que Moriba, un peu le prototype de Paul Pogba, un joueur physique, puissant mais très technique. C'est le 2ème joueur d'ailleurs qui est en transition parce qu'il a joué avec le Barça B lors des playoffs récemment. Donc lui et Conrad sont les 2 que j'ai inclus du Barça B en transition en quelque sorte. C'est un joueur à surveiller de très près. On passe désormais au 5ème joueur de cette liste.
Ilias Akomash Shakur, né le 16 avril 2004, que 16 ans lui aussi. Originaire du Maroc, Ilias est l'un des joyaux de la Masia tout simplement. D'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais porter un petit coup de gueule par rapport à toutes les personnes qui appellent ces jeunes-là le nouveau tel, le nouveau X, le nouveau Y, le nouveau Messi, parce que Ilias Akomash a ce surnom du nouveau Messi qui lui colle à la peau. Lorsqu'on fait ça, on participe à détruire la carrière de ces jeunes. S'ils n'ont pas de mental, c'est sûr que la pression est constante sur leurs épaules et ils doivent l'endurer au quotidien. Et je porte ce coup de gueule parce que figurez-vous que la personne qui a sorti ça pour la première fois n'est autre que Patrick Kluivert. Je trouve ça totalement irresponsable de sa part. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je me demande c'est quoi son rôle au Barça. Pour revenir à Akomash, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des prospects les plus intéressants, les plus prometteurs de la Masia. Si on le laisse tranquille avec les médias, les nouvelles appellations, s'il est bien encadré, il peut faire son bonhomme de chemin et devenir un très bon joueur au Barça. C'est un jeune ailier gaucher très polyvalent qui peut jouer comme milieu offensif et même comme attaquant. Dans le 1 contre 1, il crée le chaos dans la défense adverse. Il est inarrêtable lorsqu'il est lancé à pleine vitesse. Honnêtement, s'il est bien encadré, ça risque d'être brutal pour la suite. On passe désormais au 6ème joueur. Né le 16 février 2004, du haut de ses 16 ans, Diego Almeida est l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs de la Masia. C'est simple, depuis le départ de Eric Garcia pour Manchester City, Diego Almeida est aujourd'hui le meilleur défenseur central du centre de formation. C'est aussi simple que ça, il a énormément de qualités, de relance, de calme, et sa personnalité lui permet de prendre des risques lors des sorties de balle. Il arrive toujours à se débarrasser de ses adversaires avec des feintes de corps dans le but de se créer des angles de passe. Alors, la Masia n'a pas énormément de talent en termes de défenseurs centraux, contrairement au milieu de terrain où il y a abondance de talent. En défenseurs centraux et en attaquant de pointe, le Barça n'a jamais été assez verni, même si on a eu Puyol piqué par le passé. C'est pas non plus quelque chose qui arrive de façon régulière. Donc j'espère que Diego Almeida trouvera sa place au Barça et qu'il continuera à gravir les échelons en attendant évidemment le retour aussi de Eric Garcia du côté du Camp Nou. Je vous présente désormais le 7ème joueur qui intègre cette liste. Nico Gonzalez, 18 ans, fils du mythique Fran Gonzalez, ancien joueur du Deport des années 2000. Nico Gonzalez est l'un des milieux les plus prometteurs de la Masia, une patte droite soyeuse. Il est assez grand, on pourrait même penser qu'avec sa taille, il aurait de la difficulté à être mobile, à se retourner rapidement, mais c'est bien le contraire. C'est un joueur qui maîtrise très bien son corps, un milieu de terrain extrêmement polyvalent. Il a joué en tant que milieu défensif, milieu central et même milieu offensif. D'ailleurs, il nous rappelle énormément Frenkie de Jong dans sa façon de jouer. Si vous voulez un raccourci pour vous mettre une image de lui, on dirait que c'est un Frenkie de Jong plus offensif. Il a une faculté à éliminer ses adversaires assez facilement, sa grande taille lui permet de protéger son ballon assez aisément et il arrive à gratter énormément de ballons lorsqu'il joue en milieu défensif ou même plus haut. C'est un joueur qui a énormément de potentiel, donc à surveiller de très près. On passe désormais au 8ème joueur de cette liste. Tout à l'heure, nous avons dit que le Barça n'a pas pour habitude de sortir énormément de défenseurs centraux ou d'attaquants. Eh bien, André Alarcón, lui, fait partie de cette caste d'attaquants que le Barça forme, qui pourrait éventuellement avoir une chance plus tard. Il n'a que 16 ans, de vraie qualité de buteur, de finisseur. Son seul problème, c'est qu'à ce stade, on ne sait toujours pas s'il est meilleur sur une aile ou s'il est meilleur en tant qu'attaquant. Donc, à voir dans le long terme comment ça va se passer pour lui, mais à surveiller de très près, assurément. On passe désormais au 9ème de cette liste. De la même génération que Xavi Simons, parti au Paris Saint-Germain, Jorge Alastuve est l'un des milieux les plus prometteurs de la Masia. Il a une vision de jeu incroyable, une technique largement au-dessus de la moyenne. En fait, s'il y a un mot pour définir Alastuve, c'est l'élégance. C'est un joueur extrêmement élégant avec un toucher de balle soyeux. En ce moment, il joue en tant que milieu offensif, mais finira par descendre en intérieur en numéro 8, c'est sûr. Un bon petit gaucher qui est capable de dicter le tempo, de distribuer des caviars, donc à surveiller lui aussi de très près pour les années à venir. On passe désormais au dernier de cette liste. On garde le meilleur pour la fin, même si ceci n'est pas un top 10 ou un classement du moins fort ou plus fort. Mais Pablo Paez Gavira, dit Gavi, est l'un des prospects les plus intéressants de la Masia à ce jour. 16 ans seulement, mais ce joueur-là fait partie de la caste des joueurs qui donnent cette impression de ah ouais, quand même. Gavi est aujourd'hui pour moi le magicien de la Masia. On le compare d'ailleurs souvent à Ricky Pudge. C'est drôle parce que Ricky Pudge n'est même pas encore un joueur confirmé, qu'il est pris pour modèle, mais c'est un peu pour vous donner une idée. On va dire que c'est un joueur qui a un peu le style de jeu d'un Ricky Pudge, d'un Iniesta. La magie, on le sent dans ses pieds. C'est un joueur qui est en plus ambidextre. Il joue aussi bien du pied gauche que du pied droit, donc ça le rend encore plus démoniaque pour les adversaires. Ils ne savent pas souvent comment défendre contre lui parce qu'il n'a pas de meilleur pied. Il est à l'aise avec ses deux pieds. C'est un milieu qui joue aujourd'hui en numéro 10, voire
voir en faux numéro 9, un peu comme l'a fait d'ailleurs Ricky Pudge à ses débuts à la Masia, mais c'est sûr qu'il finira comme intérieur. Il a déjà d'ailleurs joué à ce poste à quelques reprises, donc c'est vraiment un joueur qui a énormément de potentiel lui aussi. Et si je dois miser une pièce sur tous les jeunes que j'ai cités aujourd'hui, il ferait clairement partie de mon podium. Après, il faut savoir que la vie à la Masia et la vie professionnelle, ce n'est pas du tout la même chose. Parmi ces jeunes-là, il y en a qui ne réussiront peut-être pas, je ne le souhaite pas, mais on ne sait pas. Être un crack, un bon joueur plus jeune ne garantit pas le succès plus haut, parce qu'il faut beaucoup plus que du talent. Il faut aussi et surtout une direction qui fait confiance aux jeunes, ce qui n'est pas du tout le cas au Barça depuis maintenant quelques années. Avec Bartomeu, la Masia est considérée comme un business pour eux, donc forcément, les talents, ils s'en vont. Aujourd'hui, Eric Garcia est parti à City, Grimaldo n'est plus là, donc voilà, il y a pas mal d'exemples de joueurs comme ça qui sont partis, qui n'ont pas eu leur chance. Manchu, qui risque de partir lui aussi, parce qu'il n'a jamais eu sa chance avec la A. Tout ça pour vous expliquer que la Masia existe toujours, elle est bien présente, elle fonctionne à plein régime. Malheureusement, la politique sportive ne suit pas. N'écoutez pas les personnes qui vous disent que la Masia ne produit plus de talent ou qu'on a été chanceux d'avoir des Piqué, des Busquets, des Xavi, des Iniesta. Oui, ce sont des joueurs d'exception. Oui, ce sont des joueurs qui ont été peut-être les meilleurs à leur poste, mais c'est uniquement parce qu'on leur a donné leur chance. Aujourd'hui, des joueurs tels que Xavi auraient bien pu quitter le Barça et devenir des joueurs anonymes. Sergi Samper est l'un des exemples les plus récents, envoyé en colis AliExpress en Chine. Il n'a réellement jamais eu sa place au Barça, sa chance. Aujourd'hui, c'est limite un joueur banal, même s'il a eu des blessures dans sa carrière. Mais voilà, c'est un peu pour vous montrer que la Masia existe bel et bien, que si elle est bien gérée, elle continuera à produire des talents. Dites-moi à vous en commentaire quel est le jeune dans cette liste en qui vous nourrissez de l'espoir. Et comme vous le savez, d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.